Voilà, on vient d'arriver à l'étang. Il vient de pleuvoir là. Et là, on va tendre nos cannes. Donc, on va mettre deux cannes au feeder, une à la mûre et une au maïs. Et on va mettre une canne à la bouillie de pineapple en flottante, une à la fraise et une à la monster crab. Et c'est tout. Là, je vais tendre ma canne, donc on a fait 2 kg d'amorce, on a fait 2 kg d'amorce caperlan pour la carpe au filet. Donc là, j'ai fait un petit mélange. Donc là, il y a de l'amorce, j'ai mis des grains de maïs, du maïs doux du commerce, il y a des grains de maïs à la fraise, il y a des petits asticots, et sinon, les particules de couleur, on ne sait pas du tout ce que c'est, on a acheté l'amorce, on n'avait pas vu ça. Donc là, mon feeder, donc là j'utilise un ressort, donc pas cloué car je pêche en étang, donc pas besoin. ce serait peut-être mieux pour que la carpe aspire bien, mais là c'est pas nécessaire. Donc voilà, là j'ai fait ma pâtée, donc ça fait ça avec nos belles lignes cheveux. Donc j'ai mis une mûre, donc un petit, je sais pas ce que c'est qui dépasse. Donc en fait, faut faire assez gaffe avec la mûre parce que c'est fragile, donc au lancer, ça, souvent ça se barre. Donc on en prend des... Des pas moitiés. mi-mûre, mi-pas mûre. Ouais, voilà, en fait, qu'elle soit assez noire. Donc là, je vais tendre ma canne donc, à la pointe de l'île. En fait, l'année dernière, on a vu qu'il y avait un mûrier et que les mûres tombaient dedans. Là-bas, au fond, il y a des mûres. Et donc, elles viennent bouffer là, les carpes. Je suis bien là, très bien même. Donc je mets ma canne sur détecteur, donc comme ça, avec le premier anneau. Donc hop, je déferme mon frein, hop, je tends, là c'est sur le fond, j'allume mon détecteur. Voilà. Donc voilà. Là, mon détecteur est prêt, je retends 5 minutes mon fil. Et là, on est bon à pêcher. Là voilà, ça pêche. Donc là, je vais hors vidéo, je vais balancer une vingtaine de mûres sur mon point de pêche. Donc assez écarté pour qu'elle fouille vraiment bien. Puis là, notre canne pêche. Donc voilà, on va tendre toutes les cannes et on vous dit. Les cannes une par une. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc on est en étang privé. On va essayer de faire aussi peut-être du brochet un peu. C'est un peu de brochet, on a vu. Du gardon aussi. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'activité. Donc j'ai vu une carpe bouger au milieu, juste devant nous, à 10 mètres devant nous. Puis un petit poisson qui sautait, sûrement une chasse de brochet. Moi j'ai vu une chasse là-bas au fond. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les murs, je vais commencer à les balancer, puis je vais faire le tour de l'étang en même temps. Donc voilà, allez, on va. Donc voilà, il est 7h30, on a retendu toutes nos cannes, on a eu en tout de départ la nuit à 23h30 et un à minuit 15. Ouais, à la mûre, les deux, au feeder. Les deux à la mûre, donc sur ma canne feeder que j'ai montré au début de la vidéo. Au début de la vidéo, donc malheureusement, petit souci technique avec cette canne. Donc au moment de lancer, mon fil doit se prendre dans mon sillon. Je lance, puis du coup mon sillon était mal serré. Il part avec. Donc, il est parqué à l'eau, puis bah, le fil a pété. Donc je fais un sillon de moins. Et voilà. Donc j'ai remis un sillon vite fait, mais... Et voilà, c'est pas terrible. Donc sinon on n'a pas eu d'autre départ. Quelques étapes. Moi j'ai pris un gardon à la mûre. Ouais, un gardon à la mûre. Un beau gardon. De moins en moins. Non, peut-être pas.
Et ouais, là on va se mettre. On va pêcher au coup, je pense. Bah ouais, là il est 7h30 donc pour moi vers 8h je vais commencer à me bouger le cul pour pêcher au coup. On va réamorcer là-bas, je pense. Ouais, Au bout, à la pointe de l'île, à la pointe là-bas. histoire qu'elle reste sur notre coup. Et voilà quoi. Sinon voilà les cartes faisaient 4 kilos 5 et 5 kilos donc comme vous avez pu les voir. Donc dans ces temps, bah c'est à peu près ce poids-là tout le temps. On prend d'un peu moins d'un hectare. Et ouais, la population c'est plus des. Ça va de 3 kilos à 6 kilos on pense. Ouais, on pense. Nous on a plus fait des. La plus. Entre 3 et 5. La plus grosse qu'on ait prise c'est 5 kg 750. Donc C'est pas énorme, mais ça combat bien déjà. c'est pas énorme mais les carpes piquées pour la première fois donc elles se défendent bien. Voilà, bon, on va vous rappeler, hein. On vous rappellera si Je suis en des touches. on prendra quelques photos pour la pêche au cou. Ouais, allez, salut. Donc là on va vous présenter le montage qu'on a utilisé pour pêcher les deux carpes dans la nuit de jeudi. Donc un ressort pour mettre l'amorce. Donc comme feeder. Donc je mets un petit plomb pour le montage autoferrant. Un émerillon avec un écuyère. Hop. Et après un bas de ligne à quart sur chevet. Comme mèche, une mûre. Donc une mûre échelée, voilà comme ça. Il faut faire gaffe avec les mûres parce que c'est très fragile donc au lancer. C'est pour ça qu'on utilise des mûres assez dures. Qu'elles passent directement du rouge, il reste des traces de rouge en fait. Elles sont dures. Donc là je vais relancer ma canne. Donc voilà, il est 13h20. Et on a loupé deux carpes depuis le début de la matinée. Hugo, il a loupé une carpe à la Monster Crab, là-bas, là au fond. Et donc il a retendu une Monster Crab, je crois. J'ai retendu une Monster Crab, mais ça n'a rien donné. Ouais. Et bouffé par les gyroïdes. Ouais, voilà. Et tout de suite, il vient d'avoir une touche sur cette canne là, À peu près. à la pop-up, ouais, en flottante. Tu vois, donc voilà, donc là, Go, pin-appel. je vais essayer aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre triangle, un plomb de 50 grammes. Voilà. Un bas de ligne fait maison pour la carpe avec de la tresse et tout. Hameçon, je sais pas quelle taille. Pop-up Starbait, pin-appel bien fluo, bien visible dans Voilà. l'eau. Donc, on met un peu d'attractant dessus. On a pris l'attractant Fin de pour la face. carpe. T'es con ou quoi toi? Oh là Et voilà, je viens de louper là, là. Calme-moi. elle a pas fait un Fin départ de face. très franc. Bon, non, c'était pas. Parce qu'en fait, le système de chauffage, il a pas fonctionné 100%. Il s'est détaché en fait. Donc, du coup, elle est partie vraiment pas du tout vite. Elle n'était pas du tout piquée, donc Roman a oublié de ferrer, donc elle s'est décrochée immédiatement. Du coup, bah, on est tout le temps à deux carpes. On a décroché deux. Ce matin, on a eu trois touches. Ce matin, trois. Ouais, moi, ma Et on a feeder là, pris combien mais d'os? ouais. Combien de gardons? On a pris pas mal de gardons et bah, on les montrera, on fera des photos. Et voilà.
Oui, donc voilà, poisson de 6,250 kg. Donc on va la remettre à l'eau. Never danced like this before. We don't talk about it.